Au commencement était la parole, toutes choses ont été faites par elle. En elle est la vie, la lumière des hommes. Et la parole a habité parmi nous en Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que sa grâce, sa miséricorde et sa paix soient avec chacun et chacune d'entre vous, maintenant réunis en son nom. Et pour ouvrir ce culte, nous confesserons la foi avec l'apôtre. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et par qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Amen. Je vous invite à la prière. Ô notre Dieu, toi que Jésus a appelé Père, tu es le maître de toutes les heures qui passent. Toi que les siècles des siècles ne peuvent contenir, tu es en chacune d'elles. Il y en a de douces, baignées de tendresse et de joie. Il y en a de belles qui nous élèvent. Il y a des heures ardentes aussi où le cœur chante haut, et pour toutes ces heures, nous te bénissons. Mais il y en a de terribles aussi, qui fondent sur nous, qui nous déchirent, qui nous laissent marquer à jamais. Les heures d'angoisse, de deuil, de solitude, ces heures cachées où, seuls face à nous-mêmes, nous ne trouvons plus la force de faire un seul pas. Pour qu'elle ne nous écrase pas, permets-nous de penser que, même dans ces heures-là, tu te trouves également, toi qui es plus grand que la mort. Garde-nous, ô Père, de perdre une seule des heures que le temps nous amène. Toutes nous apportent un message de ta part, toutes nous disent le prix infini de la vie dans son détail. Celle-là même qui nous ravage nous montre notre fraternité avec tous les hommes. Toi qui fais toutes choses nouvelles, ouvre nos yeux pour que nous discernions sur nos chemins les signes de ta présence. Abolis le passé mauvais dont le souvenir nous obsède. Ainsi, chacune de nos heures, y compris ce modeste moment de culte, sera un moment d'éternité. Par Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à présent à chanter au numéro 2 de notre recueil « Psaumes et cantiques ». Ferveur et
À la lumière du prophète Jérémie, je vous propose de revenir sur l'événement planétaire inouï que nous venons de connaître. Le prophète Jérémie a vécu dans un temps de crise et de très grands bouleversements qui n'étaient pas sanitaires, mais stratégiques et militaires. Il a assisté en direct à l'effondrement du royaume de l'ancien Israël, à la prise de la capitale, Jérusalem, et à la déportation de ses élites par les armées de Babylone. Les prophètes de l'Ancien Testament sont avant tout des observateurs attentifs de leur époque. Ils scrutent ce qui se passe au sein de la société, autour d'eux. Ils évaluent les décisions politiques. Ils analysent les affaires extérieures. Et dans tout cela, ils essaient de discerner les germes de ce qui va advenir. Raison pour laquelle ils se tiennent parfois dans l'entourage du prince. C'est notamment, selon la tradition, en tout cas, le cas d'Ésaïe, dont on dit qu'il était ambassadeur. Ils sont auprès du prince pour le conseiller, même s'il paraît que souvent, ils ne sont pas écoutés. On a l'impression que les prophètes annoncent l'avenir, qu'un prophète s'est fait pour ça, pour annoncer ce qui va arriver. C'est vrai, à condition de préciser qu'ils pointent, qu'ils s'appuient dans le présent sur les prémices de ce qui va prendre de l'importance dans le futur. Et bien sûr, ce qu'ils observent, ils le confrontent aux exigences de la parole de Dieu. On pourrait dire que les prophètes de l'Ancien Testament sont au fond des géopoliticiens avant la lettre, qui sont munis de leurs principes spirituels et moraux. Nos Bibles en français nomment oracles les recueils de leurs avis et avertissements. Nous écouterons quelques avertissements de Jérémie pour les référer à notre expérience actuelle. Je vais les lire et les commenter à la suite. Et pour commencer, nous lisons au chapitre 10 du livre de Jérémie cette exhortation. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme qui marche à diriger ses pas. Il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de diriger ses pas. Vous l'avez certainement entendu, il a été beaucoup question ces derniers temps du signe noir de la pandémie. C'est le titre d'un livre à succès qui traite de la force de l'imprévisible. Et en lisant ce passage de Jérémie, on s'aperçoit qu'il n'y a là rien d'original, puisque déjà le prophète affirme que le surgissement de l'imprévu, c'est une constante de la vie humaine et une constante de l'histoire. Les grands événements arrivent sur des pattes de colombe, c'est-à-dire qu'on ne les entend pas arriver. Certes, après coup, il est toujours possible de repérer des signaux avant-coureurs que nous n'avons pas su ou pas voulu voir. Il est toujours possible d'entendre des lanceurs d'alerte que nous n'avons pas écoutés. Mais après coup, il est toujours trop tard. En découvrant au mois de janvier les images sidérantes de ces excavatrices chinoises construisant à la hâte
un immense hôpital, nous aurions dû comprendre que quelque chose de grave n'allait pas tarder à nous tomber dessus. L'imprévu, c'est le moment de la perte de contrôle. Ce n'est plus nous qui dirigeons, c'est l'événement qui décide à notre place. Et alors, d'une manière rude, nous sommes mis en face de la vérité de la condition humaine, à savoir que tout peut être remis en cause. Tout peut s'arrêter d'un seul coup. La Bible, d'ailleurs, répète cela. Nous ne sommes que des mortels soumis à des puissances formidables, incomparablement plus fortes que les nôtres. Et de ce fait, le jeu de la vie, ça n'est pas autre chose que le jeu du risque. Espérer que Dieu va miraculeusement nous protéger, c'est une conception puérile de la foi. En réalité, on ne peut exister que dans le risque, et il est probable que l'aveuglement sur le risque est encore pire que le risque lui-même. Jérémie énonce donc un principe d'incertitude, principe qui est valable pour le devenir des peuples comme pour ma vie quotidienne. Pour s'y préparer, il faut seulement se souvenir qu'il existe aussi des ressources qui permettent de ne pas perdre pied et de franchir l'obstacle afin de continuer le chemin. Ces ressources, ce sont les armes de l'esprit qui font tenir droit dans la tempête. Nous lisons maintenant au chapitre 4 du livre de Jérémie ces versets. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les peuples seront bénis en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Il est donc question, dans cet oracle du prophète, d'un champ nouveau et du fait de ne pas semer parmi les épines. Alors que nous sommes à présent en pleine phase de déconfinement, beaucoup s'interrogent sur le monde d'après. À quoi va ressembler la société de demain? Quelle est l'étendue des dégâts, notamment économiques? Et par-dessus tout, saurons-nous tirer les leçons de ce qui s'est passé? Jérémie pense qu'après une catastrophe, il faut changer ce qui est à changer. Mais il ne faut pas le faire
n'importe comment. De toute évidence, au sortir de cette pandémie, il va être nécessaire d'introduire des changements et de la nouveauté à grande échelle. Beaucoup de choses doivent être repensées, nous le sentons tous. Les modalités de la mondialisation, la souveraineté, la question des frontières, le rôle de l'État, l'importance à accorder à l'environnement, et ainsi de suite. Et il est clair qu'il n'est pas du tout nécessaire de reproduire les erreurs qui ont été commises. Mais pour ce faire, il convient de se préserver de certaines épines qui pourraient mettre à néant les velléités de changement. Et ces épines, je les vois surtout idéologiques. Tout d'abord, ce que j'appellerais l'épine de l'utopie. Une petite musique est en train de se faire entendre avec insistance, la musique de ceux qui croient que le virus a tellement rebattu les cartes qu'on va pouvoir recommencer l'histoire à zéro ou presque. Seulement, c'est une constante de l'histoire, justement, que les grandes tragédies qui la parsèment suscitent en réaction des élans messianiques qui sont démentis par les faits. De plus, ces propositions utopistes, brandies à tout bout de champ, ne sont pas si neuves. Cela fait des années qu'on les connaît par cœur, comme du reste leurs auteurs. La seconde épine, c'est l'épine du cynisme. D'autres voix, qui ne sont pas utopistes, celles-là, qui au contraire se veulent réalistes, mais qui en réalité ne sont que désabusées, serinent que le monde de demain sera le même que celui d'hier, mais en pire, et qu'il est donc inutile de changer quoi que ce soit. Et voilà que le prophète, qui n'est ni un cynique ni un utopiste, nous appelle à réformer ce qui doit l'être. Le monde d'après, ce sera un monde dans lequel des réformes doivent être entreprises. Non pas une ou des révolutions, mais des réformes. Il est à ce propos intéressant de remarquer que le verbe hébreu que nos Bibles traduisent par « réformer » est employé à plusieurs reprises dans le livre de Jérémie. Et littéralement, ce verbe signifie « améliorer ». Rendre plus efficace. Nous devons améliorer, rendre plus efficace le monde autour de nous tel que nous l'avons organisé. Et la première chose que nous avons à réformer maintenant, c'est bien sûr notre état d'esprit intellectuel et moral.
Nous lisons au chapitre 8, les versets 6 à 8. Je suis attentif, j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils devraient. Tous reprennent leur course, comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages » ? Ce passage prophétique est un grand classique. Un grand classique en ce sens que il s'agit d'un rappel à la loi de Moïse, à la loi de Dieu, s'entend, qui, chez les prophètes, est un leitmotiv. Et là, contrairement à un préjugé assez répandu, on se rend compte que les prophètes ne sont pas des critiques de la loi, ce sont plutôt des gardiens de la loi, mais des gardiens de la loi en esprit et en vérité, de la loi non seulement obéie des lèvres, mais traduite dans les actes. Selon eux, beaucoup de mots proviennent du non-respect de la loi, ou, si vous préférez, d'une obéissance superficielle. Eh bien, ce rappel me semble particulièrement opportun. La loi qui est évoquée ici par Jérémie, c'est la loi du Décalogue, qu'il faut envisager dans ses fondamentaux. Ces fondamentaux sont au nombre de deux, la liberté et la justice. Tout le reste en découle. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai délivré de la maison de servitude. Et cette liberté, je te l'offre pour que tu pratiques ce qui est juste. Dieu donne la liberté à l'homme. En retour, il attend que l'homme pratique la justice. Le schéma est simple. La liberté, eh bien, ça nous parle fort aujourd'hui. Pendant d'interminables semaines, nous venons d'être privés de la liberté la plus basique qui soit, la liberté de mouvement, la liberté d'aller et de venir. Évidemment, nous savions pourquoi. Disons que nous y avons consenti, ça avait du sens. Il n'empêche que c'était néanmoins violent, anormal, antinaturel. Et le problème qui se pose alors, c'est le suivant. Que va-t-il rester de cet état d'exception dans lequel la liberté la plus fondamentale était suspendue ? Avons-nous, sans le vouloir, mis le doigt dans l'engrenage d'une société de surveillance généralisée, via notamment le traçage de l'intelligence artificielle? Sommes-nous assurés de recouvrer notre liberté pleine et entière? Car la tentation pourrait exister chez certains cercles de pouvoir de profiter de la crise pour imposer de manière permanente des limitations, au fond inacceptables, de la liberté, pour imposer un contrôle des personnes et de leurs mouvements. Une telle société, privée de liberté, serait profondément injuste, parce qu'en privant les gens de liberté, on les prive d'un don qui leur vient de Dieu. Une telle société pourrait être appelée totalitaire au sens que la philosophe Hannah Arendt a donné à ce mot. Elle définissait ainsi le totalitarisme: est totalitaire ce qui met entre parenthèses la liberté et la justice. Et ça n'est pas tout.
Nous nous sommes également découverts dans cette crise, aliénés par la façon dont notre économie est organisée. Selon les pays, avec des degrés variables, masques, médicaments, matériel sanitaire, se fabriquent de moins en moins chez nous et de plus en plus de l'autre côté de la planète. Nous nous sommes découverts dépendants des capacités et du bon vouloir d'autres pays, ce qui est la définition même de l'aliénation, le moment où on ne s'appartient plus à soi-même. Et celui qui ne s'appartient plus à lui-même, celui-là a perdu sa liberté. Et demandons-nous à cause de quoi ? Eh bien, à cause de la course effrénée au profit, à cause de l'appât du gain, à cause de la convoitise. Donc, pour une raison parfaitement injuste, celle du profit maximal, qui consiste à rechercher toujours la production la plus rentable, quitte à fermer les yeux sur l'exploitation des hommes, des femmes et parfois des enfants que ça implique. Donc devant nous se tient un champ nouveau à défricher et à semer, mais nous devrons le faire sans omettre la liberté et la justice. Sinon, ce sera pire la prochaine fois. Terminons notre lecture au chapitre 30. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel. Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai. Je suis avec toi pour te délivrer. Je te guérirai et je panserai tes plaies. Ne t'effraie pas. La peur, c'est un sujet très ambivalent. En soi, la peur n'est pas mauvaise. Elle est un réflexe de préservation qui pousse à la prudence, elle peut donc être utile. On approche du feu les mains d'un enfant pour lui apprendre à s'en tenir éloigné. La peur nous incite à calculer les risques et à les diminuer autant que possible. Certains ont été jusqu'à parler d'une pédagogie de la peur qui reviendrait à anticiper les menaces, voire
à les grossir pour mieux les conjurer. Et ici ou là, Jérémie lui-même recourt à ce procédé de manière rhétorique pour réveiller les plus endormis de ses auditeurs. Toutefois, cette méthode de la peur pose plus de questions qu'elle n'en résout. Si je me place sur le terrain de l'histoire ecclésiastique, je constate que l'emploi de la peur pour convertir et sauver les âmes, c'est une très vieille affaire. La prédication chrétienne n'a pas hésité à en faire un usage surabondant, usage gravement fautif, je m'empresse de le préciser. Mais enfin, pendant des siècles, la peur de l'enfer a servi de moyen de contrôle efficace des masses, au mépris des sources bibliques, qui sont, elles, très discrètes, voire ténues sur ce sujet. Après tout, le cœur de l'Évangile n'est-il pas le fameux « n'ayez pas peur » de Jésus qui, vous le constatez, prend sa source directement chez les prophètes. La méthode de la peur s'inscrit dans un phénomène très contemporain qui est la dictature des émotions. Démultipliée par les chaînes d'information en continu et les réseaux sociaux, la dictature des émotions est une sorte d'écran de fumée derrière lequel peut se dissimuler un agenda caché. Une autre question surgit alors sur le devant. Que nous veulent vraiment ceux qui s'emploient à nous faire peur, soi-disant pour notre bien ? Sois sans crainte, ne tremble pas. Pourquoi ? Jérémie est convaincu d'une chose. Malgré la catastrophe dont il est le témoin et face à laquelle il est impuissant, il est convaincu que Dieu ne s'est pas trompé en créant le monde. En créant le monde, il avait la vision d'une bénédiction permanente, attachée aux êtres et aux choses, de ce côté-ci de la vie comme de l'autre. Malgré ses contradictions et ses défis, ses bifurcations inattendues et ses drames, les fondements de l'avenir sont bons parce que l'avenir est porté par Dieu. C'est pourquoi nous l'aborderons avec au cœur l'assurance tranquille du prophète selon laquelle Dieu y sera présent comme ailleurs et c'est là tout ce qui suffit. Amen.
Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu de Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Par ton esprit, tu restes avec nous, par-delà les temps et les âges, dans la vie des hommes. C'est pourquoi nous pouvons déposer devant toi nos soucis, nos questions, nos détresses. Souviens-toi de ceux qui sont aux prises avec des difficultés. Console et réconforte les affligés, les malades du corps, de l'esprit ou de l'âme, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont privés de secours, les victimes de toutes sortes. Souviens-toi de celles et ceux que nous aimons et que dans le secret de nos cœurs, nous nommons devant toi. Dieu notre Père, toi qui nous connais, qui connais nos besoins avant même que nous ne les exprimions, toi qui sais combien dans nos prières nous sommes ignorants de nos véritables besoins, accorde-nous même ce que nous ne savons pas te demander et donne-nous d'être les porteurs de ta lumière, de ta paix et de ton énergie. Et dans cet esprit, nous faisons monter vers toi ensemble la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous chanterons ensemble au numéro 392 du recueil Psaumes et cantiques. Recevez la bénédiction que
l'amour de Dieu notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix qui surpasse toute intelligence. Amen.